finalement, j'ai réussi à avoir une clé de Summer in Mara. Bah, du coup, je vais pouvoir faire quelques petites vidéos parce que franchement, le prologue m'avait super emballé. Et on va voir pouvoir s'échapper de l'île. Bon, je pense que là, le début, ce sera bien sûr sur l'île. Parce que le prologue, c'était sur ça. Je vais juste. Bon, la musique un peu plus basse. La qualité, je l'ai baissé un petit peu aussi par rapport à la dernière fois. J'ai l'impression que ça laguait un petit peu quand on enregistrait. Et du coup, bah, je me lance dans l'aventure. Alors, je vais vous laisser lire les textes. Parce que. Des fois, je suis nul pour lire. Voilà, du coup on se retrouve sur le toit comme la dernière fois. Ah, est-ce qu'ils sont toujours aussi haut? Ouh, ouais. Toujours aussi haut quand même. Attendez. Quoique. On fait pour courir déjà. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui. Ah, peut-être moins haut, non? Ah si, non, ça va. On peut... Hop là, c'est bon. Allez! À parler à. Ah, désolé. À Yaya Yaku. Non, Aya. Je viens de te voir en descendre. Il n'y a pas quelque chose à faire. Sur l'île, il y a toujours de quoi s'occuper. Il nous faut des oranges pour faire du jus pour le petit déjeuner. Ouais, comme je vous dis, le premier, ce sera une ressuscité du prologue. Je suis trop vieille pour aller en cueillir. Et des oranges pour la dame, c'est parti! Bon, j'ai dit que je lirais pas, mais finalement. Ah, comme ça concourt. J'aimais comme il saute. Il m'en faudrait une troisième. Nyon. Et voilà les plus belles oranges de l'île. Merci beaucoup. Ah, ce jeu est délicieux. Je suis plein d'énergie maintenant. Je suis bien contente de l'entendre. N'oublie jamais, Koa. Tu peux conquérir le cœur de n'importe qui avec de la nourriture. Maintenant, nous devons préparer un nouveau champ. D'accord, je te regarderai faire d'ici. Un peu espiègue, hein. Oh non non, tu es grande, maintenant tu peux t'en charger. Prends la binette et prépare le champ. Tu pourras ensuite y planter ces graines de carottes. Pour finir, va chercher de l'eau au puits et arrose-les avec. Est-ce que je devrais prendre une douche après? Oui, si tu te salis. Yahaha. Yaha. Ouais, c'est vrai que je vais peut-être pas trop lire. Hein. Je vais bégayer. Voilà. Alors... Que je fasse pas la même erreur qu'une fois, voilà, c'est ça. Ah non, pourquoi tu me trompes de touche. Voilà, planter les carottes. Et on va chercher l'eau. Qui se vide, hein. Ah non, c'est vrai qu'on reste dessus, c'est bon. Voilà, c'est fait. Tout est prêt, madame. Du bois de chauffage. Ah, fabriquer une hache. Ah, je vais prendre ma propre hache. Pas très content de l'autre. Hein. Tiens, prends les matériaux, va dans la maison et fabrique-le dans l'atelier. On se retrouvera après à côté de vieil arbre. Alors, du coup. Alors, outils. Hop. J'aime bien parce que ça a l'air. Ça a pas l'air compliqué pour les crafts, tout ça. Peut-être que c'est là que ça va déplaire, je pense aussi. Oh, Yaha, regarde ma hache.
Dommage qu'il n'y ait pas des petites voix, ça aurait été cool quand même. Même en anglais, hein, c'est pas grave. Nous vivons à Mara. La vie parcourt cet océan immense qui nous entoure. Ah oui, voilà, si on coupe un arbre, il faut planter une graine. Merci l'arbre. D'accord. Ah, on est pour tout en fait. Alors. Et là. Alors du coup. Ah non. Ah oui, il faut. Ah oui, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ah, il faut trouver une un bon coin. Ah, mais ah oui, d'ailleurs. Quoi sur le. Ouais, c'est là. Parce que oui, c'est plein de mettre sur le chemin, mais bon. C'est bon? Ouais, ok. Ça y est, j'ai planté l'arbre. J'espère qu'il sera grand. Si tu en prends bien soin, je suis certaine qu'il sera gigantesque. Je l'arroserai tous les jours, yaha. Bon, quoi? Est-ce que tu veux apprendre une nouvelle recette? On va préparer de la confiture d'orange. C'est une recette très simple. Va à la cuisine et prépare-la. D'accord. Il faut l'arroser du coup? Bah écoute, je l'arroserai pas parce que si je prends un sourd, ça va pas faire. Et je vais prendre une orange. Et chaque fois, je saute du coup. Ah ouais, on fait des oranges, qu'est-ce que je dis? Alors, les oranges, il va pas rester ici, je pourrais. Là, c'est les carottes. Ah, là-bas. Vous regardez s'il y a toujours pas de carte. Hein. Peut-être qu'on va partir. Hop. Finalement, j'ai baissé la musique, mais j'ai pensé, je sais pas s'il y en a vraiment. On dirait vraiment Kirikou, la cour vite. Hein. Alors, hop. Ah, attendu là, que ça a chauffé et tout. Allez, hop. Niaou. Ah non, elle est où? Ah. Et y'a. Elle est partie où? Ah, oui, c'est qu'elle est en bas. La vilaine. Hop. Yaya goûte la confiture, on a. Oh, on mange du poisson au dîner. Tout dépend si ça mord ou non. D'accord. Est-ce que les pirates ne viennent jamais ici? Bah, tant mieux, non? Mon casque qui déconne. C'est bien d'avoir un casque à fil, mais après il s'accroche de partout. Que l'on passe de nous. Ah, c'est le truc du carburant. Alors, comment ça marche déjà ça? Le carburant. C'est pas vers là-bas? Ah, je crois qu'on peut casser les rochers avec ça, non? C'est pas ça que j'avais fait? Ah non, il faut un marteau. Ah! Des chauves-souris. Mais il n'en reste plus aucune. Bah t'as mieux. Ah, carburant, c'est là, je crois. Il joue, lui, en plus, ce dessin. Ce dessin. Ouais, c'est animé, ce jeu. J'ai rempli le réservoir. Allez, on repart. Ah, on peut tricher, là.
Si on tombe là, on peut remonter. Je sais pas, je me rappelle pas si elle nage. Ah, c'est en bas. Ah non, il faut. Hop, c'est le bateau que je pète. On a le problème que j'aurais dû faire des expériences. Sois prudent, haha. N'oublie pas ce que je t'ai demandé. Qu'as-tu demandé? Ah oui, je m'en rappelle. Du chocolat! Si tu préfères rester, je peux utiliser le bateau pour aller en acheter. Dans quelques années, je te laisserai peut-être venir voir la ville avec moi. L'océan est très dangereux. À mon avis, elle va se faire kidnapper, je pense. Il ne faut jamais naviguer seul. Allez hop. Ah oui, il faut jamais naviguer seul, mais elle, c'est vrai qu'elle navigue seule. Lol. On n'avait pas visité là. Ah. Il te faut quoi? Bon, on remonte. On va se couper un arbre. Je suppute qu'il faut un arbre. Alors, en plus, elle est trop fait là. C'est bien ça. Ah, on n'a pas de. J'ai pas de machin. Alors. Ah. Ah, il m'en faut un flotteur en résine. C'est où déjà? Ah, voilà. Ah, allez, on va à la pêche. Pêche au moule, moule, moule. Ah, là, c'est au poisson. Ah. J'espère que c'est pas les poissons. Ouais, c'est vrai que c'est pas les poissons chats comme dans. Ah, il faut des carottes aussi. River Monster. Parce qu'il y a des poissons chats, ils t'avalent. Hein. Ah, j'ai pas de graines. Allons-y, alors attendez, comment ça marche? Oh non, je n'ai pas le bon appât pour pêcher ici. Ah. Ah oui, faut prendre ça. Va dire là. Ouais, ah, ça. Il me semblait que ça avait. Voilà, c'est peut-être un peu facile parce qu'il faut. C'est pour te montrer quoi. En fait, j'aime bien le système, il y en a qui aiment pas. C'est le système à la Star du Valais, ça. Ou j'ai un autre jeu aussi qui s'en inspire. Alors, cuisine. Poisson. Il y a une rotette, j'espère que ce sera mangeable. S'il fait trop sombre, il y a. Ah, ne, ah oui. Je dois allumer. Ouais, il doit allumer une torche. Alors, du coup. Il faut du bois. On va se couper l'arbre ici. Ah mais c'est de l'arbre, c'est pas du c'est pas des graines. C'est sympa le système là, je trouve que c'est. Bah pour l'instant je sais pas après ce que le combat jeu va être, mais c'est vrai que le début est sympathique à faire. On cherche pas midi à 14h quoi, parce qu'il y a des jeux, c'est compliqué quand même. Ah attendez, la torche. Elle est où la torche? On l'a pas sur la torche. Bon, je sais pas. Bizarre. Non, non, il suffit juste d'allumer en fait. C'est à côté, je pense. Ah oui, c'était pour l'allumer là. Si je compte vite, je suis sûr de pouvoir arriver en haut en rien de temps. Tu sais, mais en même temps, tu t'arrêteras pour allumer tout. Hop. Ah, mais ça s'allume automatiquement en fait. Je me rappelais pas de ça, tiens. Ça, je l'ai fait il y a pas longtemps le jeu. Mais ouais, à force de, comme je dis tout le temps, à force de faire plein de jeux, après c'est vrai qu'on sera les gameplays, on se rappelle pas systématiquement. Après là je vais faire. Ben. Pourquoi j'ai plus la torche?
What? Ah, bah c'est... Ah oui, elle a une temps limite. Mais elle avait un temps limite avant. Ah, je savais pas vu ça. Bah beaucoup. Peut-être que ça a changé entre temps. Ah, elle est arrivée, ouais. Hop, on va prendre un raccourci. Il a l'air d'être costaud. Elle a l'air d'être costaud plutôt. Mais au début, je croyais que c'était un garçon, mais c'est une fille apparemment. Bonjour. Ah ouais, bientôt on a bientôt la fin. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, bon, c'est vrai que le prologue, je le fais. Ben, le prologue. Le début, je le fais un peu parce que je l'avais déjà fait donc. Ah, ils dansent, c'est vrai, les animaux. C'est bien parce que au moins le personnage il va vite quoi. Après je sais pas s'il y aura un système de fin tout ça, j'espère que non. Bon après s'il y a, il y a. Par contre c'est bizarre parce que j'ai pas fait la pioche alors que je l'avais. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Yaha? Yaya. J'arrive pas à le dire. Est-ce que tu te souviens de l'histoire des gardiens? Oui. Il protégeait l'océan et la porte. Exactement. Après, il y a cette histoire de porte aussi là. Au moindre danger, il se retrouvait ici et ouvrait la porte à l'aide des quatre cristallides. Est-ce que la porte s'ouvrira un jour? Uniquement lorsqu'une menace planera sur Mara. Elle s'ouvrira lorsque les quatre cristallides seront placés ici. Elles agissent comme des clés. Par contre, je sais pas la sauvegarde. Ah, la sauvegarde, c'est peut-être quand on dort, non? Je sais qu'apparemment, si j'ai bien compris, il n'y a qu'une sauvegarde pour tout le jeu en fait. On peut pas en faire plusieurs si j'ai bien compris le principe pas. Et pour l'effacer apparemment on peut pas l'effacer encore dans le jeu. À moins qu'ils le changeront après. Hein. En sachant que moi j'ai le jeu en avance donc du coup je vais préparer des vidéos mais il y aura peut-être des changements d'ici là. Hein. Non, je prépare quelques vidéos, je sais pas combien de temps. Je sais pas si je ferai un let's play mais bon au moins quelques vidéos quoi. Ah, c'est vrai, des petites voix, ça aurait été sympa, je trouve. Même si c'est en anglais, c'est pas grave. Lorsque l'un de ces points disparaît, tout s'effondre. Il y aura des quêtes et tout à faire. Des autres. Ouais, c'est un truc écologique un peu. D'accord, en fait, à mon avis, il y aura des gens aussi qui vont être méchants, mais qu'on pourra changer de truc, je pense. Bah, alors, sinon, je le dirais pas ça, je le dirais pas ça, quoi. Oui, après, quand il va y avoir des méchants, méchants, quoi. Dans les yeux, d'accord. Et n'oublie jamais. C'est l'heure d'aller se coucher. Ah, ça y est. Alors, du coup, la dernière fois que j'avais fait le prologue, bah, j'avais mis 30 minutes parce que le temps aura d'être tranquille. Mais là, comme j'ai envie de voir la suite, perso, ça n'a pas changé des masses quoi, par rapport au truc au début, quoi. Tiens, on va régler ça. Toujours ça. Par contre, c'est bizarre, j'avais pu faire la pioche et là, je l'ai pas faite. Ouais, un peu si on peut la faire. Non. Ah, on peut pas apparemment. D'accord, on revient chaque fois en arrière.
Et là, je pense que ça va sauvegarder. Et là, s'il y a le... Ah, voilà. Et là, s'il y a le trailer, ce qui est un souci. Ah. Ah, c'est peut-être les gens qu'on va rencontrer, ça. Et ça, c'est le méchant. Sa grand-mère. Ou sa mère, je sais pas trop. Hop, elle se réveille. Et là, cette fois-ci, pas de trailer, hein. Sinon, là, je serais un peu vénère. Et là, ce que je ferais, c'est que je couperais cet épisode, je pense, à ce moment-là. Et je reprendrai. Au moment où le bateau pirate arrive, c'est là que ça s'arrêtait. Voilà. Bon, j'ai essayé la musique, j'espère que je peux faire avec. Ah! La musique, ça me fait penser un peu à la musique dans Star Wars, tout ça là. C'est sympa la musique. Et il va y avoir plein de personnages joués en couleur. Hein.